Lors de la sortie d'iOS 4.2.1, Apple présente la fonction AirPlay. Cette fonction permet de diffuser n'importe quel contenu d'un appareil Apple vers une Apple TV. Donc c'est très pratique pour partager un film sur une télé, des photos, ou encore de la musique, ou encore l'intégralité de l'écran. 8 ans plus tard, en 2018, Apple présente AirPlay 2. Cette nouvelle version permet l'amélioration de la qualité du contenu diffusé, mais permet également l'intégration de la fonctionnalité multi-room. C'est-à-dire qu'il devient possible de diffuser la même musique sur plusieurs enceintes dans plusieurs pièces en même temps. Cette fonction vient également s'intégrer à des appareils et des téléviseurs tiers. Pour savoir si son téléviseur est compatible Apple AirPlay, il suffit de repérer ce petit logo sur l'emballage de votre téléviseur. Sinon, je vous mets la liste des téléviseurs compatibles dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment partager le contenu de votre appareil Apple sur un téléviseur ou une Apple TV compatible Apple AirPlay. Pour diffuser l'écran de votre iPhone, iPad ou iPod Touch sur votre téléviseur connecté, il faut qu'il soit allumé et connecté au même réseau Wi-Fi que votre appareil Apple. Vous n'avez aucune manipulation effectuée sur votre téléviseur, tout se passe sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch. Donc premièrement, il faut que vous ouvrez le centre de contrôle. Donc sur un iPhone à bouton ou alors un iPod Touch, vous balayez l'écran de bas en haut pour l'ouvrir. Sur un iPhone plus récent avec une encoche ou un iPad, vous balayez le coin droit de votre appareil vers le bas. Une fois dans le centre de contrôle, appuyez sur le bouton recopie de l'écran. Ici, la liste de tous les téléviseurs compatibles sur votre réseau vont s'afficher. Cliquez sur votre téléviseur. Il est possible que lors de la première connexion, un code vous soit demandé. Saisissez le code renseigné sur le téléviseur. Et votre écran va s'afficher sur votre téléviseur. Et vous pouvez quitter le centre de contrôle. Maintenant, vous pouvez partager des photos sur votre téléviseur en pleine résolution, mais également regarder des films, des séries et écouter de la musique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires.